de la part du casser l'attaque en respectant les directions des équilibres et contrôle. Après, évidemment, la projection. Donc, première technique, Utsukogari. Donc, il y a une avancée légère du pied droit. C'est-à-dire qu'on déséquilibre directement cette diagonale. L'attaque. Pour récupérer mon équilibre, ça va être de reprendre un point d'appui dans le sens du pied droit. Là, maintenant, ça va être sombrer le corps du pied et d'aller dans la direction du pied droit. Comme il avance sur le pied, on équilibre le pied à placer, continuer à tirer. Il est important que la première attaque, si elle soit très forte, que soit déséquilibrée quand il attaque. Il attaque, avec son corps sur la manche, il est bien cassé sur l'attaque et je l'ai mis en déséquilibre. On les fait une par une. C'est parti, patron ? Oui, Michel. On les fait par deux ? Je suis tout seul, j'ai été de la boutique. Allez, c'est parti. Deuxième, Isaï Rouma. Cette fois-ci, on va avancer pied gauche. On sent du déséquilibre, il est par ici, et l'action, elle est ici. D'accord ? Là, par contre, si j'essaye de me récupérer avec cet appui, je vais dans le sens de l'entrave. Je vais tourner, je vais le faire des deux côtés. D'accord ? Donc, soit pour me récupérer, j'ai cette jambe-là. Il va avancer un petit peu. Il va un permettre de reprendre mon équilibre, deux de pouvoir ouvrir le bassin pour dégager. Là, ouvrir, tourner, et prochain. On en fait une troisième ? Ouais. Ok, allez, pied gauche avancé. Hein ? Monte. Pareil. Sans du déséquilibre. Par ici. Là, ça serait ça pour pouvoir avoir un appui sur mon appui électrique, qui est juste une rotation des hanches. Je n'ai pas besoin de bouger mes appuis, juste une rotation des hanches. Ça me permet d'avoir mon point d'appui dans le sens du déséquilibre voulu au début par mon pied. Je vais tasser un petit peu et mon poids de corps sur la manche, je prends vraiment appui. L'action ici sur la manche va être vers le bas. J'ai créé le déséquilibre, là j'ai plus qu'à avancer pour faire mon balayage. Voilà, on s'auto, on se met les chiffres, on va, vous avez les chiffres, on s'y arrive, on s'y les chiffres. Allez, viens. Allez, allez, fais. Je dois bien démonter, je casse l'attaque, je souris, au début des souris. C'est un peu compliqué, au début des souris, je casse l'attaque, je reprends l'initiative, je deviens souris. On a fait 3, 4e, pied Shibari. Balayage du pied avancé. Si il tasse comme ça, c'est très compliqué. Il va falloir qu'il y ait une petite réaction pour m'alléger un petit peu. Et moi, va m'aider. Et c'est à partir. Si je suis ici, c'est compliqué. Donc, il tasse, il me repousse un petit peu de manière à amener mon poids sur cette jambe-là pour pouvoir me balayer. Et là, c'est juste retirer mon pied. Et après, revenir chercher. C'est pas... C'est joli, mais c'est difficilement efficace après. Chute. Tsubame Geishi. Retour de l'hirondelle. Toujours pied droit avancé, Ko Soto Gaki. Moi je vais empêcher qu'il se rapproche. Il va partir, au moment où il va pouvoir se rapprocher, je pousse. Je pousse son poids sur cette jambe-là, je pousse main sur la joue et je rentre légèrement mon pied. Regardez, une orientation du bassin. Ce qui vient avec mon idée, c'est de me tasser par ici. Donc moi, mon idée, c'est là, mon appui est derrière, là où il est l'anglais. Plus qu'à ramener,
tourner mes épaules et après faire tourner mon corps. Revenez pas trop dessus. Pas retomber là. Ramenez. Et retomber dessus sur le tailleur de chi. Dans l'autre sens. Bien. J'ai emmené. On rentre dedans. Sixième coup, chigari. Toujours pied droit avancé. Sans du déséquilibre. Toujours dans la diagonale. Hein. Son action, ça va être tirer sur la manche. Pour faire fond. Moi ici, au moment pareil, il a cette tentative, je casse l'attaque en tirant un petit peu sur la manche pour créer des équilibres. J'insiste là-dessus, mais ça ne va pas durer très longtemps. Pour après relâcher et partir très vite dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand tu le fais, et très vite, on dit ça. Avec la chute. Pas en direct. Et quand vous le faites en direct, j'ai pas eu d'action, je suis déséquilibré. J'ai bloqué. Et vous partez juste avec les épaules. J'ai cassé l'attaque. Et je reprends une minute. 4, 5, 6, on y va? Allez, c'est parti, adieu. 2, 3 questions. TH5, c'est vraiment important. C'est parti, attaque, comment mes poids sont bien sur la jambe arrière. On a fait un tour d'avancement ici, il y en a qui le font en contrôle de partenaire. Au départ, ce n'est pas forcément un kata. Hein, par contre, si vous fixez tout le poids sur la jambe que vous voulez balayer, ça va être compliqué. Donc, surtout moi, pour faire le soulevé des chis, ça va être encore plus dur. Il faut que je la lève, la jambe, et j'ai tout le poids dessus. Ce qui est important pour pouvoir la lever, c'est qu'on soit sur l'arrière. Hop, je reviens, c'est trop tard. Ensuite, le coup Uchigari. Si Uke, quand il attaque, et ça, c'est super compliqué. Coach, il arrive, vraiment. Bon, viens chercher le contact. Si je fais un coach, il arrive, là, ici, il y a peu de chances qu'il soit efficace. Mon coach, il arrive, c'est... Je suis ici, c'est... Rentrez, rapide. Ça me colle. Moi, je vais dégager pour faire le sasai. Et sur le taiotoshi. Alors, mon jeune âge me permet d'être très mobile. Pour ceux qui le sont, peut-être un petit peu moins. Hein, donc quand il a attaqué, il faut se gâter. Il est défendu. Si vous restez un peu à 45 degrés, pas grave. Bah, je vais bien le faire. Et comme c'est pas un kata que du pied, bah, je vais refaire le coup. Ici, en tournant énormément les épaules. Je l'emmène énormément avec les épaules. Je suis vraiment sur le renversement par l'action du corps. La projection se passe par l'action du bras. Mais c'est pas faux. Là ici, mais là. Moi ça gêne un peu parce que ça me bloque et ça me perd un peu dans mes repères. Ça, mais je préfère le faire en tournant un peu plus. Les deux sont justes. Ça va? Donc les six premières, on est parti. Pied droit avancé, pied gauche, pied droit. 1, 2, 3. Un pied droit, deux pieds gauche. Tout le monde avec deux pieds, trois pieds droits. Sur quoi, Taiyotoshi? Pas d'écouter, j'ai dit. 10% de moins. Je suis revenu sur l'intervention. On peut le faire à 45 degrés. Non, 30% juste. 30%. Donc les 6 suivantes, on va partir sur les pieds sur la même ligne. Première technique, Kubinage. Kubinage. Direct. Bonne idée. Descendre mon centre de gravité sous son centre de gravité. Pour pas qu'il puisse le basculer. Et là, ça va être soulever le partenaire. Et me faire chuter. Je soulève, je retire mon appui, je fais tomber. Lâcher. Et essayer de récupérer. Deuxième technique, Koshiguruma. Butsuri Kumigoshi. Mais normalement c'est Koshiguruma puisque l'entrée est en cercle. Et comme c'est une entrée en cercle,
C'est-à-dire qu'on travaille, être sur un travail d'enroulement. Ah non, je vais être plus sur un mouvement. Sur un truc. Au moment où il va partir, ici, c'est bloquer sa hanche. Je prends appui, regardez, je me décale légèrement. Et maintenant, c'est Ukigoshi. Et pas Ogoshi. Je viens ici, ma tête sur sa poitrine, mon épaule sur ses côtes flottantes. La main vient chercher très très loin. Et là maintenant, j'ai engagé ma hanche. Et pivoter. Certains l'ont peut-être montré comme ceci. On venait, on était là, on amenait. C'est pas faux. C'est pas faux. Hein? Ça c'est bon. Mais, si vous voulez vraiment bien faire, là, ici, vous n'êtes pas cherché avec cette hanche-là. Vous engagez, vous venez chercher avec l'autre hanche pour tourner. En tournant. Ceux qui ont bossé sur le Nageno Kata tout à l'heure. 7, 8. 9. 9. Ah oui. 7, 8, maintenant 9. Anegoshi. Le Anegoshi, c'est un lancement de hanche, une percussion de hanche. On va rentrer deux faces. Et moi, ce qui est important, c'est que je ne suis pas. Ça risque d'être compliqué. Je vais essayer de venir et au dernier moment, je vais ouvrir ma hanche. Si ça rentre, il y a comme pour le chercher. Et là, je sors ma hanche et je vais repartir sur un sasei. Il rentre. Je suis sur mon sasei. Si vous partez en reculant, c'est compliqué. Rentrer, dégager hanche et partir sur le sasei. Ceux qui l'avaient appris avec le Hukuri Hashiba, Arai Tsui Komiyashi, hein, ben c'était quasiment la même chose. Je venais bien rentrer et je poussais directement. On s'en chute. En repartant. Voilà, ben à la limite, vous partez pour faire le. Et vous changez de direction. Hop, changement de direction. On y va? 7, 8, 9. Ah. 10, Arae Goshi. Souris Goshi. Le partenaire rentre sur Arae Goshi. L'important, c'est surtout de pas rester derrière. Première défense, ça va être. Sortir un peu mes hanches. Partir ici sur le côté en étant bien bas. Je suis ici. Et là maintenant, mes hanches ne sont pas derrière les siennes, quand je vais pousser, c'est beaucoup plus facile de l'amener. Si je suis derrière, pour le faire passer, c'est plus dur. Alors vous ou l'autre derrière va nous faire du rock acrobatique. Et c'est un petit peu compliqué. Donc au moment où il rentre, la défense, c'est là. Je lève, je fais tomber sur ma hanche et je projette. Uchimata. Quand il va attaquer, l'idée c'est ça. Moi je vais bloquer cette rotation d'épaule avec une action ici sur le coude et en descendant mon centre de gravité. Je bloque. La main qui est au revers va passer dessous. Je soulève, je m'emmène sur la hanche et je tourne. C'est super simple. Par contre, si là vous avez les épaules qui ont été orientées, quand vous allez lâcher pour venir chercher, il mettra Uchimata. Je peux? Non. Bon, tu as assez de. Donc, il vient. Je bloque là ici. Pas de rotation. Je peux venir ici. Et là maintenant, c'est juste de l'amener sur moi. Hanche. Ça va? On fera la deuxième après. Allez, à la duvet! Et la dernière. Mémoire.
pas du soleil. On va décomposer un petit peu. Parce que l'affaire iPhone Fenaguer, ce qui est important, c'est que je ne reste pas derrière l'affaire iPhone doucement. Si je reste ici. Ça fait quoi ? Je jette ? Ouais. Si je reste ici. Ouais. Voilà. Je vais la prendre. L'idée, voilà, c'est vraiment de réussir à casser la tête. Je ne suis plus derrière. Mais le défaut qu'on a, c'est de regarder où est-ce qu'on va finir. Si j'ai ma tête qui va, ben j'ai mes épaules qui vont suivre, et quand il va continuer, hop, je vais finir au même endroit. Donc l'idée, c'est presque, on le fait sans se toucher, quand il rentre, il pone, je fais la même chose. Tiens, il rentre, il pone, je fais la même chose. Bon, regarde. Et là, quand on va rester tenu, c'est ça. Sauf que là, il me tient, donc je ne peux pas faire complètement ma rotation. Et là, mon appui, il est avec mon coude sur sa hanche. Et là, je vais jeter ma jambe pour revenir et placer en subigeshi. Je peux vous la faire quand vous êtes le maire. Avec beaucoup de pas. Sinon, bah c'est... Il est ici, on y va, regardez. Voilà. Son pied en même temps que le sien. On regarde derrière. Je suis loin. Maintenant il peut faire sa technique. Hein. J'y suis. Ah oui. Et après, là, c'est le principe du suyeshi. Il revient. Le pied doit être à l'extérieur. C'est ça? Le pied plus à l'extérieur. Oui, mais bon, ça c'est pas grave. Merci. Le pied à l'extérieur. Mais j'aime pas. Le dame. De quoi? Ah non, c'est bien. C'est bien, tu es droit tout le monde. Parfait. Ça va? On y va? Allez, tu l'es ici. Il est bon de se laguer, celui. Faites confiance à ceux qui ont fait les exercices. C'était relativement réfléchi. Je vais le faire doucement à un corps sans poser les pieds devant. Il attaque le topo. Et puis ici, je bloque. Je ne bouge pas. On prend mon sang. Il vient. Il a du noir. Je suis ici. Je reste à ma place. Il revient. Oh, j'y arrive. Je reste à ma place. On travaille un petit peu à chaque fois. Des Hashibarai. Je reste à ma place. Au Sotogaki. Ouais, 45 degrés. En tout cas, j'ai fait mon demi-tour, donc j'ai changé de côté. Kouchiari. J'ai changé de côté. Subilaye. Je reste à ma place. Koshigouma. Je reste à ma place. Anegoshi. J'ai fait un demi-tour. Aregoshi. Je reste à ma place. Uchimata. Je reste à ma place. Ippon Senage. J'ai fait chuter. Il est là-bas. Je suis à la place du début. C'est incroyable. Pour moi, même si c'était ma forme, c'est lors des techniques du sucre. Voilà. C'est bon. Si quelques mots sur le principe de Sukata. C'est une attaque, une défense, une contre-attaque. Donc chaque fois que vous serez jugé dans ce cadre-là. C'est pour ça tout à l'heure qu'il a dit que c'était un peu plus élastique dans le cadre. Mais il y a un cadre, et à l'intérieur de ce cadre, on peut travailler. Mais les principes sont une attaque, une défense, une contre-attaque. Dans tous les mouvements. Bien faire attention à ça. Merci. On discute un petit peu.
sens mes collègues. Messieurs les élus, madame ici, madame présidente du département, on s'assoit un petit peu, on... Ça, c'est pas envie. Je sais pas.